je m'appelle Chantal et puis j'ai 20 ans. Des fois, j'ai l'impression d'en avoir 10. Des fois, j'ai l'impression d'en avoir 40. Je m'appelle Chantal et puis j'ai 20 ans. J'ai acheté un truc fantastique aujourd'hui, une porte dessinée. C'est une plume à 10 couleurs, un stylo bille 10 couleurs, avec des pitons que tu descends comme ça. C'est très spécial. Mais c'est pas possible. Ouais. Il y a tout. C'est le gadget ultime. Mon Dieu, il est fou. Ah, il est extraordinaire. Il est jaune cacrac. Il est safran. Il est gris court de colle. Rose à la main. Il est magenta kaki. Chartreuse. American Beauty Red. Bleu royal. Cyclamen. Orange drapeau du Canada déteint. Noir foncé. Puis brun. Ben oui, mais ça fait 13. Ouais, c'est vrai. Évidemment. Il y avait un concours organisé par la revue Mademoiselle Âge Tendre pour trouver une Mademoiselle Âge Tendre, justement. Il y avait une condition qui était d'envoyer une photographie. C'était écrit une photographie en pied. Alors, ils ont reçu 1348 photos de pied. Regardons la montagne incroyable, Robert. C'est ouais. Beau, par exemple. Oui, c'est pas payé. Mon nom, Karak, appelait ça le grand tâton. Vous êtes drôle en famille. Il me semble qu'il devrait faire un beau film avec ça. Dis-moi que ça se peut pas. Ça se peut pas, c'est pas possible. Mais comment ils font? Stand by. T'es prêt, Thomas? Oui. Caméra. Tourne. Claquette. Ouverture 8, Thomas. Prudence, scène 200, prise 2, bobine 8. Il m'a dit comme ça, oh ben tu fais rien en maison, mais ça m'a blessé au plus profond. Moi j'ai vu l'innocence et la bête dans son corps me rend belle. La vie se déroule en avalanche au détour de tes hanches. Belle comme un soleil de vacances, je m'y brûle les doigts. Tu as beau ne pas t'en faire, le temps s'accroche à ton dos. 40 ans c'est pas l'enfer, mais c'est loin d'être un cadeau. Tes copains d'il y a 20 ans te diront, tu sais je d'elle. Faut plus se fier au temps, il a déplumé nos ailes. La vie se déroule en avalanche, ne l'arrête pas. Vivre pour que l'amour et la chance ne s'arrêtent pas. Ne confondez pas avec les agences matrimoniales. Faut que j'arrête. La comptabilité de nos membres est établie par un ordinateur électronique IBM. Faut que j'arrête.
qui analysent leur physique, tempérament et côté psychologique. Ils recherchent peut-être l'amitié, le dialogue, l'amour ou tout simplement le mariage. Il faut absolument que j'arrête. Ceux qui ne tentent rien n'ont jamais rien. Je recule et je vais pousser dans ce champ à cet endroit précis. Agissez! Mais va dans le bois! Dans le bois? Quel bois? Ben, il y a un bois juste là. Oui, mais ça, c'est pas un bon bois. Tout le monde peut te voir. T'es complètement fou. Moi, j'ai jamais vu ça. T'as pas mal des fois entre les deux oreilles. Je suis un peu atteint. Ok, Robert, laisse tomber ta voix radiophonique sexy. Puis dis-moi donc où est-ce qu'on s'en va. Tu verras. Mais où est-ce que c'est? Tu verras. Robert, mais c'est un lac. Tu as porté ton costume de bain? Oui. Alors, c'est un lac. Bon. Œuvre d'art. On est prêt. Non. Machine à écrire. On écrit. Bon. Petit bâton. Bon, on va se baigner. Je me déshabille. Ben, pas ici? Pourquoi pas ici? Ben oui, mais il y a des gens qui peuvent arriver. Ouf! Moi, je me déshabille dans le bois, en tout cas. Ça appartient à l'orchestre philharmonique de Sceaux. De toute façon, c'est une propriété privée ici. Puis? Ben oui, mais on n'a pas le droit d'être là. Viens-t'en. On n'a pas le droit d'être ici, ça appartient à quelqu'un. Ouais? Oui? Tu es au courant si ça appartient pour vrai? Je sais pas, je m'en fiche. Mais moi, ça me fait peur. Mais bien, je te dis. J'entends du bruit, ça sonne qu'il y a quelqu'un pas loin. Charles! Je pense que c'est un petit peu trop froid. Oui! On se non! Laisse tomber! On a radé? Hein? On a radé? Oui! Oh. Robert, est-ce que tu penses que je pourrais me promener longtemps comme ça? Promène. Même en ayant froid, juste pour que tu puisses regarder mon chandail.
Tu le regardes. Allez. Toi, tu devrais pas t'appeler Robert. T'as pas une tête à t'appeler Robert. Je sais pas si c'était comme ça, mais... Moi, dans ma tête, j'ai... Pour chaque prénom, j'ai une tête. Toi, tu ressembles à deux personnes que je connais. Tu ressembles à un gars qui s'appelle Denis. Tu ressembles à un autre gars qui s'appelle Bernard. Bernie? Pas Bernie, Bernard. Mais tu les connais pas. Pense pas, en tout cas. Des amis à moi. Mais tu... Non, mais t'as vraiment pas une tête non plus à t'appeler ni Denis ni Bernard. T'as une tête à t'appeler... Lester... à Daniel. T'aimerais pas ça t'appeler Gonzalez? Y'a jamais rien qui te dit rien. Je vais t'appeler Ephraim, je pense. Parce que Robert, j'aime pas ça. Qu'est-ce que tu dessines? Un viking fonctionnaire. Des fois, je me demande si t'es pas malade. Je suis un peu atteint. T'as pas mal entre les deux oreilles, des fois? Je pense, petite. Tu penses trop. Moi, ça me dit rien. D'ailleurs, c'est pas ressemblant. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est le viking. Ici. Nez de viking. C'est son nez, ici. Un viking qui fait du cinéma. Fonctionnaire de son métier. T'es fou. T'es complètement fou. Il était tellement laid que les gens avaient irrésistiblement envie de le battre. C'est un petit gars qui est laid, là, t'as envie de le gifler, de le battre jusqu'à temps qu'il meurt. Pas beau. Qui laid. Mais ce petit garçon-là, il était conscient du danger. Et puis il a développé une arme extraordinaire contre ça. C'est que il se mettait à parler, puis il avait une voix très douce. D'abord, puis ensuite, ce qu'il disait, c'était tellement merveilleux. Il y avait une conversation tellement formidable. Il racontait des trucs extraordinaires, là. Tous les gens qui venaient, qui s'approchaient de lui pour le battre, ils étaient séduits, puis ils l'écoutaient. Ils étaient complètement amenuisés, son histoire, tu sais. Alors, une fois comme ça, ça faisait plusieurs heures qu'il parlait, puis il y avait un tas de gens autour de lui, puis tout le monde écoutait. Puis soudain arrive un gros bonhomme qui s'approche puis qui regarde le petit gars, qui le trouve tellement laid qu'il lui descend une énorme claque, une gifle épouvantable. Alors le petit gars est tombé, évanoui ou mort, ça dépend. Et puis là, quand tout le monde a vu ça, ben il y en a un qui a pris son courage à deux mains, qui est allé voir le gros bonhomme puis qui a dit « Mais pourquoi t'as fait ça? T'entendais pas ce qu'il disait, c'était tellement extraordinaire, t'écoutais pas ce qu'il racontait. » Alors, le gros bonhomme me dit, « What'd you say? » Solidarité pour toujours, nous avons des bons idiots. Enfin, solidarité
fois, aussi, de façon aussi pacifique que vous l'avez montré tout à l'heure, mais en restant vigilant. La démocratie, c'est pas un système politique d'abord, c'est une manière de penser et c'est une manière de vivre, c'est une manière d'agir. Depuis trop longtemps, au nom de la charité, on a pensé par-dessus la justice. Nous avons des bonnes unions. Hip, hip. Hip, hip. Hip, hip. Jamais comme un soldat. Ouais, ouais, tu meurs, tu meurs. Tout ce que tu sais faire. Je suis la colombe de la justice. J'appartiens à Monsieur Parfaisi. Ahoy, 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 ahoy. J'en ai marre de toutes ces décorations inutiles, déshonorées, au sable. Viens voir un peu, Lucky. J'espère que les Sioux n'y sont pas. Et dire qu'on a failli marcher dedans. Le cheval faisait de l'acné, Lucky. Bon signe. Au revoir. C'est une douche. C'est une douche là. 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 Que bon Dieu. Non. Je m'appelle Serge cette journée. C'est un ami. J'étais en Gaspésie un été. J'habitais à l'hôtel. Devant la côte Mystère. Il est sorti un soir, comme ça, pour se promener, se baigner. Il avait travaillé tard.
Il s'est tué. Tombé en bas du ravin. Le lendemain, pas beaucoup de monde à l'église, ils l'avaient ramené. Le soleil tapait, aujourd'hui. J'aimerais ça mourir au soleil. Pourquoi mourir au soleil? Ce serait comme une fête. Moi, j'aurais peur de mourir au soleil. Je trouve pas que c'est moins pire quand il y a des nuages, t'as l'impression que tu manques rien quand même. Comme la vie. Moi, je veux pas mourir, ouais. Ça te fait peur, toi, mourir? J'aimerais que ça se fasse dans des circonstances soudaines, brutales. T'aimerais mieux pas le savoir? Parce que ça te fait peur? Je voudrais le savoir au moment où ça arrive. Moi, j'aimerais ça mourir en avion. Par une grosse tempête. Pour pas voir le soleil. T'as pas le temps de savoir. T'as pas le temps d'avoir mal. T'as pas le temps de regretter. Avec le soleil, tu dis bonjour. Quel âge avais-tu qu'on a eu ça? 30 ans. Il y avait des enfants, une femme? On les avait laissés là-bas. Les Français. Mais il y avait des enfants? Oui. Il y avait deux enfants. C'est épouvantable, en fait. Est-ce que des fois, est-ce que tu te demandes pourquoi c'est arrivé à lui plutôt qu'à quelqu'un d'autre? Je pense que ça devait y arriver à lui, ce soir-là. Moi, c'est le genre de choses qui m'auraient fait me poser des questions beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que c'est une chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Soleil ou pas soleil, Gaspésie ou pas Gaspésie, bonheur ou pas bonheur. Quand tu fais soleil, on devrait être gay. Puis plutôt que d'être gay, on devient grave. La fête est finie. Soleil sort. Ça va.
J'aimerais ça mourir au soleil. Ce serait comme une fête. Ça me rappelle Serge. C'est un ami. Il s'est tué. Pas beaucoup de monde à l'église. Vous avez laissé là-bas. J'ai acheté deux ou trois crapauds, quelques grenouilles, une couleur, une grosse araignée. Caroline! Caroline! Oh, regarde la grosse sauterelle, là, tu vas l'aimer. Regarde. Là, regarde, là. Elle est grosse, elle est énorme. Voilà! Voilà, Robert. Regarde, juste là. Vite avant qu'elle saute. Là, là. T'entends pas, toi. Est-ce que t'es martyrisé des fois? Non. Tu arraches-tu les plaques? Le problème à moi, c'est que il y a tellement d'influences qui agissent sur moi que j'ai l'impression de plus savoir du tout qui je suis. J'ai l'impression que un film que je vois, un livre que je lis, une personne sur qui je fais une impression, tout ça m'influence au point que j'arrive plus à mettre un cercle autour de moi et dire moi je suis comme ça. J'ai l'impression d'être fausse, complètement fausse. C'est vrai qu'au fond, quand on y pense, tout le monde est comédien. Moi aussi, je joue ma petite comédie, mais c'est con, j'ai l'impression que la mienne est moins vraie que toute celle des autres. Peut-être parce que je suis pas dans leur peau.
C'est même pas un souci d'honnêteté, c'est comme ça. Finalement, ça doit venir de l'espèce d'éducation qu'on soit, l'éducation en groupe. Moi, je sors d'un collège classique, j'ai été 7 ans pensionnaire. J'ai l'impression que si on groupait toutes les filles qui ont suivi leur cours en même temps que moi, on serait à 75% les mêmes. On réagit de la même façon, on pense les mêmes choses de tout ce qui nous entoure. Il reste à peu près un 25% qui est moi, 25% qui n'a pas été touché. Puis par contre, il y a un 75% qui est absolument commun, qui n'a rien de personnel, qui réagit de façon comme toutes les autres. C'est affreux quand on y pense. L'éducation aujourd'hui, c'est tellement institutionnalisé que ça avance pas, c'est mort. C'est une éducation qui nous dirige avec des barrières. Ça devrait être fait au contraire à porte ouverte, de façon à ce qu'on puisse s'épanouir vraiment avec des critères posés d'avance, comme il se doit, mais ça devrait être fait de façon beaucoup plus libre. De la façon dont on procède aujourd'hui, on a l'impression que on peut pas devenir autre chose que ce que l'on est, puis tout le monde y passe. Quoi qu'on puisse en faire, quoi qu'on puisse en dire. On nous demande d'avoir des opinions ensuite. Comment est-ce qu'on peut le faire? Des opinions politiques? Moi, la politique, je m'en fous. Au fond, j'ai horreur de ça, ça m'intéresse pas. Je dis ça m'intéresse pas parce que je la connais pas, puis j'ai pas envie de la connaître non plus. Je sais pas pourquoi. La guerre au Vietnam, on entend parler de ça. On n'entend parler que de ça. Il y a des centaines de gens qui se font tuer tous les jours. Au fond, ça me dérange pas, je les connais pas. Mais rien que de le savoir, ça m'agace. J'ai pas envie d'en entendre parler, parce qu'au fond, c'est bête. On nous demande de s'exprimer. On nous demande d'écrire. Moi, j'ai un copain à qui je dois écrire une lettre depuis à peu près un mois et demi, puis j'arrive pas à le faire. C'est peut-être de la paresse, juste l'idée d'avoir à prendre un papier et un crayon, ça me fait horreur. J'ai pas envie de le faire. Puis je sais que quand j'aurai mon crayon dans la main, tous les sentiments que je voudrais exprimer, au moment où je veux les rationaliser puis les écrire sur papier, c'est bouché. Ça sort pas. Y a rien à faire. C'est tout mou, ça. Oh, c'est beau. Hello? Hey, mort. Hey, c'est gentil, ça. Oh, c'est doux. J'ai un petit peu peur. Oh! Oh, c'est froid, ses mains. Regarde ses mains. C'est tombé. Comment il s'est tombé? Là, ça? Je vais tomber. Oh, c'est pas possible. Et Moira. Il mord les oreilles. Tu l'énerves. Et t'as. Oh! Oh! C'est froid. Je pense qu'il va aller par terre.
c'est beau. T'as vu son museau? Regarde, c'est plat. Mon gros poupon. Regarde sa main, regarde. C'est comme un singe. Pauvre petit, tu tiens mal. Tu sais pas tenir ça pour les animaux. Non, les animaux, non. Et moi, je me ferais un collet avec ça, je pense. Regarde! Viens, je vais te le montrer. Regarde. Oh, elle ment. Pas que tu grognes, Caroline. Regarde, c'est beau. Ah, c'est son os encore. Qu'est-ce qu'elle fait? L'autre en profite pour tout le sentier. Viens. Oh, regarde, c'est beau. Étends. Viens. Viens, Caroline! On devrait pleurer en couleur d'après nos yeux. Puis j'ai les yeux verts. Moi, j'ai les yeux verts, je dois broyer en vert. Oh, mon homme! C'est à toi, Gérard. Robert. On a le droit de se lever. Ah oui, t'as le droit de te lever. Tu vas être encore dans le cadre si tu te lèves. Oh, maudit, tu vas être sûr. Ça te prend. Plus fort. De Rabelais par ses principaux personnages. Et ici, j'en arrive au personnage de Frère Jean des Entomeurs. Et pour en venir là, il faut vous rappeler que Pantagruel se lie d'une affection éternelle à Panurge. Et par cette affection, il accepte l'homme sans en rien omettre. Parce que Panurge nous a révélé des abîmes singuliers qui font jaunir le rire. Il nous a révélé aussi une incertitude radicale, une angoisse fondamentale symbolisée par son inguérissable peur d'être cocu. Évidemment, l'oracle n'écarte pas le danger où nous sommes tous d'être trompés et cocus avec Panurge. D'ailleurs, en dépit de toutes les méfiances et toutes les précautions et consultations, tout le monde est cocu. On est d'abord cocufié par soi-même. Car, comme le disait justement le médecin Rondibilis à Panurge lui-même, qui peut se vanter de toujours avoir de quoi satisfaire au contentement? Le contentement, c'est l'exigence, celle d'une femme, celle d'un homme, celle d'un amour, celle d'un idéal, celle de l'absolu. Personne n'est jamais constamment à la hauteur.
soi-même, des autres, de quelque norme que ce soit. Il y a ce coquillage-là. Il y en a un autre qui vous préoccupe et qui me préoccupe particulièrement. Le coquillage par la société. Le coquillage parce que vous appelez volontiers le système. À cet égard aussi, nous portons les mêmes cordes. Et que faire? Sans complaisance envers nos cordes, force nous est bien de les reconnaître et d'admettre que nous sommes tous dans un même bateau de coq. Or, écrit Rabelais, un l'abbaye était pour l'or un moine de cloître nommé frère Jean des Entomeurs. Des Entomeurs, c'est du hachis. Jeune, galant, pimpant, de bonne humeur, bien adroit, hardi, aventureux, délibéré, haut, maigre, bien fendu de gueule, bien avantagé en nez, beau des pêcheurs d'heure, beau des brideurs de messe, beau des crotteurs de vigile, pour tout dire sommairement, vrai moine si jamais en fut, depuis que le monde moinant, moinant de moinerie. Au reste, savant jusque aux dents en matière de brévière. Alors, il ne reste plus grand-chose du moine en frère Jean. Mais, cependant, jamais frère Jean ne met bas son habit monacal. Le froc de frère Jean représente aussi la cellule intérieure que chacun doit s'aménager. C'est aussi l'ordre selon lequel on se dépasse soi-même. C'est l'ordre des valeurs. Voilà pourquoi notre froc est aussi le sens de l'histoire et de la continuité humaine. Trompé, coquifié, Rabelais le fut d'insigne façon. Libéré, il dénonce la farce du Moyen-Âge survivant. Il met à nu les mensonges de ce que vous appelez le système. Mais Rabelais a compris que le système de son temps était un sous-système de la machine mondiale et que, pour un long moment donné, un long moment lourd d'admirables témoignages, ce sous-système avait... Il y a tellement de monde qui se lave pas, on est obligé de donner du savon. Ah, quel arbre. Là, tu es jaune, tiens, tiens. Pire que Tintin, ça. L'arbre de Noël jaune, la remarque. Ah, regarde les beaux. On se voit dedans. Non. Oh, pas de grimace. Oh, les horribles cartes de Noël. Greetings. Des caniches roses. C'est quoi, c'est un chevreuil? Moi, tu me donnerais un truc comme ça, Noël. Oui, ça me de larmes. Oui. Mais, il faudrait qu'il soit rempli de quelque chose. De sûr de bois. Ça, c'est un quoi, ça? C'est un chevreuil, une biche? Oui. C'est très ressemblant, d'ailleurs. Rose et bleu, comme ça. Un souris avec le... Pas des puzzles. Oui, un puzzle. Mais j'en reviens pas. J'ai l'impression... Je pensais que ça faisait 20 ans que ça faisait plus des puzzles. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font des puzzles. En tout cas, les scènes n'ont pas changé. Remarquable photo de calendrier. Oui, c'est l'automne. L'automne, avec en toute sa gloire, sa splendeur. Oui, très beau paysage. Pourquoi t'es comme ça? J'aime pas quand t'es on comme ça. On vase tout le temps. Pourquoi? On fait jamais rien. J'ai l'impression qu'on passe notre temps à niaiser. On est bien, pourtant. Tu comprends pas. Tu comprends jamais rien. C'est mieux. Je suis allée te baser.
Mais prends-le. Oh. On a assez, Robert. Boss. Salut. Robert! T'as rien compris. Je comprends jamais rien. Ça n'a pas d'importance. Je t'appellerai. Vraiment pas moyen de parler avec toi. Non. As-tu une idée de ce que tu vas être quand tu vas avoir 30 ou 40 ans? J'en sais absolument rien. Je vais être plus gros. Pas rien que physiquement, Nono, autrement. Qu'est-ce que tu vas faire? J'en sais vraiment rien. Moi, qu'est-ce que tu penses que je vais être? Je vais avoir 30 ans. Tu vas être une belle nana avec, avec des petits bébés, des dans ton petit nid. Bien au chaud. Oui, je vais être sur un beau cheval blanc. Je vais me diriger en souriant vers un horizon rose et bleu. C'est ça? Oui, dans le genre. Quelque chose dans le genre.